Ce résumé vous est présenté par Lay's et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League. Première possibilité et la frappe qui rentre, c'est pas vrai, ouais. C'est pas vrai, 1 minute 10, Mbappé déjà pour permettre aux Parisiens de passer devant. Et bien dites-moi, ça fait 40 buts encaissés par le club de Bruges si on comptabilise la Ligue des Champions et le championnat. Cette défense devient franchement une passoire et je suis désolé d'utiliser ce terme Kalilou, mais c'est pas normal de prendre un but si rapidement. Valenta pour venir légèrement, du moins temporairement, dégager ce ballon. Oh là, cette fois-ci, il y a Mignolet. Et on retrouve d'ailleurs Kylian Mbappé. Ça joue vite, ça joue pour l'instant un peu trop vite hein, pour le club de Bruges avec Mbappé. Fantastique reprise, franchement, exceptionnelle. Mais et quel... doublé pour Kylian Mbappé. Mais quelle passe Mathieu, quelle passe Di Maria. Ce garçon a une main à la place du pied. Angel Di Maria, tout part de lui sur ce ballon. Très, très délicatement déposé. L'âge qui est là aussi. Oh là là, la mauvaise relance de Sandra. C'est une énorme occasion pour le PSG. Il y a Mignolet. Allez, heureusement. Il faut donner avec Sandra. Oh, il ne marque pas, dommage. L'arrêt de Donnarumma. Aïe, aïe, aïe. Pour le mettre en avant, le voici, Messi. Il est là. Même si vous êtes Lionel Messi. Voilà. Même si vous êtes Lionel Messi, il faut toujours un petit temps d'adaptation. Vous savez, changement de climat, changement de club. PSG a priori bien en place. Mata qui vient en renfort. Mata, il a tout le temps de centrer. La reprise et l'arrêt de Donnarumma. Superbe arrêt, grosse occasion pour Bruges. Kylian Mbappé, l'écarte désormais vers Lionel Messi. Et vous avez vu qui arrive à toute allure, c'est Hakimi. Il préfère frapper, Messi. Oh là là. Il nous fait une Messi évidemment. Et de 3. Incroyable. Incroyable, ça part à toute vitesse de Kylian Mbappé. C'est la même frappe que face au Manchester City. C'est exactement City, hein. La même frappe, presque la même action. Lang pour frapper, fort d'ailleurs, très belle arrêt de Donnarumma. Di Maria, on en sentait arriver. Voici Noah Lang, et là il y a la place, le but, voilà le but. Allez, voilà le but de Madrid. C'est super pour Madrid, c'est super pour Bruges, ouais. Parce que c'est ça le caractère brugeois, c'est ce qu'on a vu en début de campagne européenne. Et c'est bien, honnêtement, ça fait plaisir à voir. Mais au moins, Bruges aura montré qu'il y avait encore de la vie dans ce groupe. C'est bien aussi de voir Simon Mignolet s'interposer. C'est en soi un bilan honorable. Lionel Messi pour s'appuyer. Est-ce que Messi va planter un doublé? Il n'y a pas un pénalty là, oui. Ouais, il y a pénalty et j'ai vraiment l'impression que les Brugeois se sont fait avoir comme des bleus. Mata demande une explication à l'arbitre. Messi face à Simon Mignolet.
Tous les téléphones sont allumés. Ouais, pour enregistrer ce moment-là. Ouais. Et sinon, Mignolet, malheureusement, là, ne plonge même pas. C'est 4-1 pour Paris. Ouais. Ouais, Vormer. Ce résumé vous a été présenté par Lay's et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League.